Bonjour à tous, voilà ma nouvelle vidéo. Pour vous présenter un peu la journée, j'ai essayé de me caler un petit peu sur la journée du mardi avec la dictée, une leçon de grammaire, du calcul mental, des exercices de mathématiques, un petit peu de science, une expérience un peu dégoûtante à faire, je pense, qui va plaire aux élèves, et avec un peu d'écriture aussi. Voilà, et je vous propose donc la dictée en version dictée par moi-même, audio, et également la lecture de Harry Potter en audio. Voilà, j'essaierai de vous envoyer un rendez-vous virtuel bientôt en classe virtuelle. Et puis, ce que voilà, je vous conseille, c'est de mettre en place une routine avec vos enfants, avec des rituels. Le matin, essayez de ne pas les lever trop tard, de ne pas les coucher trop tard le soir, de garder un rythme un peu d'école si possible, de leur laisser un petit peu de temps libre le matin, de commencer, on va dire, les devoirs vers 10h, par exemple, le travail vers 10h, d'y rester 1h30. De leur demander de jouer tranquillement dans leur chambre, de ranger, de vous aider aux tâches ménagères, de participer à préparer le repas. Enfin voilà, faites des jeux de société avec eux. Et après le repas, proposez-leur un temps libre, calme, un temps calme, pendant lequel ils peuvent écouter des histoires, lire un livre calmement dans leur chambre. Mais voilà, il faudrait qu'ils soient un petit peu au repos pour se remettre ensuite au travail. On va dire vers 14h. Et puis, pensez aussi à aller dehors. Il doit faire beau demain, ou enfin aujourd'hui du coup. Donc, essayez d'en profiter. Faites du vélo, des jeux dehors, laissez-les jouer, construire des cabanes, etc. Profitez, jardinez. Et puis, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il n'est pas nécessaire d'imprimer tous les documents. Vos enfants peuvent écrire, faites-leur faire un maximum et merci aux parents qui m'ont fait de nombreux retours. Ça m'encourage à continuer et à me dire que je travaille pas dans le vent malgré le fait d'être loin de mes élèves. Voilà, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.